monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo produit terminé. Mais avant je voulais m'excuser pour ma dimanche dernier, j'ai pas sorti de vidéo parce qu'en fait je me suis rendu compte que la qualité n'était pas bonne en fait du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de poster une vidéo. Donc c'est parti avec les projets terminés. Donc j'ai terminé esperlissage, donc normalement c'est sans silicone. Bon bref, il marche plutôt bien, il aide bien à lisser les cheveux. Ensuite, mes parents ils ont acheté cette boisson, c'est un peu gazeux, donc c'est tropical, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Mais après, sans plus quoi. Ensuite, produit micellaire de Garnier, donc moi c'est Pomelix à sensible, elle marche plutôt bien. Ensuite j'ai testé le masque au chocolat, je crois que mon frère il l'a eu à Claire, enfin je sais plus où, bref, donc voilà, c'est pourquoi celui-là déjà. Pour les pores je pense. Parce que c'est marqué pas. Bref. C'était quoi ça? Ah oui, ça. Que j'ai eu dans un swap, je crois. Je ne sais plus. C'est plutôt bon. Je connaissais pas, mais c'est plutôt bon. Ensuite, j'ai fini le dope à la Madeleine. La senteur est très bonne, mais à la longue, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai mis 3 ans à le finir. Ensuite, encore un gel douche, donc c'est à la fleur d'oranger. L'huile d'amande douce bio, et il sent trop bon. De Cadom. Là, c'est un masque au citron, je crois. Et c'est pour détox, masque nettoyant pour les pores. J'avais même mis une étiquette pour m'en souvenir, j'avais fait une traduction. Ensuite, j'ai fini enfin Sephora. Alors, c'est au chocolat, donc c'est un gel douche. Mais le paquet est franchement chiant à utiliser. Parce que quand on appuie, bah, en fait, c'est pas mou comme les savons normaux en fait. Donc ça va bien. Donc je l'avais transvidé là-dedans, mais comme il était trop épais, bah c'était de la. J'ai dû rajouter de l'eau en fait. C'est pas top. Donc celui-là, c'est à la barbe à papa. Mais je ne l'ai pas utilisé parce que il mousse pas le truc. Mais c'est censé être pour les cheveux et le corps. Mais j'ai pas adhéré. Non. Ensuite, j'avais goûté ça, Milka Tender, je sais pas quoi. C'est au lait. C'est plutôt bon. Mais voilà. Si vous n'avez pas à boire, ne mangez pas ça. Parce que c'est hyper sec. Ensuite, j'ai fini celui-là chez Sephora. C'est nourrissant, apaisant pour la nuit. Il est bien. Le paquet il fait jaune alors qu'il est orange. Ensuite j'ai fini des Tic Tac orange, goût orange. Bon ceux-là ils sont bons, c'est les classiques. Ensuite un autre masque, il nettoie en profondeur, purifie et protège. Donc c'est celui-là. C'est à la passion, non, à la grenade, ouais, grenade. C'est des nouveaux que j'avais été. C'était à sa action, ça. Si je vais tomber. Ensuite, un dentifrice Colgate. Un pinceau que je jette parce que franchement quand
Quand on l'applique aux yeux, ça nique la paupière, donc je le jette. Ensuite, je jette un gloss Lancôme parce que ça fait hyper longtemps qu'il est ouvert. Et ensuite, j'ai terminé un briquet dauphin. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!